Alors voyons. Acheter un remède, c'est fait. Ramener Toto à sa propriétaire, c'est fait. Récupérer de nouveaux coquillages, c'est fait. Récupérer un quart de cœur, c'est fait. Ah, salut Navy. Je vérifie ma liste de choses à faire. Non, c'est bon, je viens de finir. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Tu viens, Félicie? À plus tard, Navy. Quand je dis non, c'est non. Je suis juste rentré pour jeter un coup d'œil et c'est tout. Allez, Chou, joue sur la petite photo, Chou. Et pourquoi vous dites tout le temps chou? Parce que je suis une souris, Chou. Et au Japon, Chou, le onomatopée du cri de la souris, c'est Chou, Chou. Chou, Chou! Ha, ha, ha. Je suis mort de rire. Donc, pour résumer, vous êtes une souris photographe japonaise. Et vous parlez avec un accent italien. Ma personne n'est parfaite, Chou. Alors, on a fait cette photo, Chou? Non! Dans ce cas, Chou, vous ne me laissez pas le choix, Chou. Et voilà, Chou. J'irai intituler cette photo, Chou, Link, le héros d'Hyrule après une bonne cuite, Chou. Ma, j'irai faire une fortune avec cette photo, Chou. Allez, maintenant, Chou, tirez-vous de chez moi, Chou. Link, ça va? Gars. Oula, je sens que ça va me prendre du temps de le remettre sur pied. Alors, plus tard. Eh, hey, mais c'est à moi de dire ça. Oh, ma tête. Comment tu te sens? Comme un chien écrasé. On est où? Dans un arbre creusé. Le plus loin possible que j'ai trouvé de cette souris débile. On dirait que cet arbre a déjà servi d'abri, car il est aménagé. T'as fait le tour des lieux pour voir s'il n'y avait pas de danger? Pas eu le temps. Bon, alors je vais le faire. Hop là. Tu devrais rester couché. Ne t'inquiète pas, je suis solide. Alors voyons voir. Individu détecté. Qu'est-ce qui se passe encore? Coquillage détecté. Analyse en cours. Cinq coquillages détectés. Prix sélectionné. Vous obtenez un coquillage. Non, mais je rêve! Je me suis cassé le cul à aller chercher ces putains de coquillages pour avoir un autre coquillage! Non, Link, arrête! Il n'est pas censé avoir cette coquille dans ce jeu-là! Salut, Link. Je suis de retour pour reprendre mon rôle de narrateur après 6 mois d'hôpital. Feu de mine! De plus, le narrateur s'envole vers votre cieux. Vous obtenez... Bon, je vais être obligé de la replacer. Vous obtenez l'épée de niveau 2. Vous pouvez lancer des rayons quand votre barre de cœur est pleine. Non, en fait, on n'a pas le budget pour ça. Il faudra te contenter qu'elle frappe plus fort. Ça va? Pourquoi t'as de la bave au coin des lèvres? Et pourquoi tu es tout rouge? Vous obtenez la tenue rouge. Vous devenez encore plus bourrin. Link, tu me fais peur. En fait, tu me fais même peur à mon alter ego. Oh, voilà. Link, pourquoi m'as-tu frappé? Je n'ai rien fait pour t'énerver cette fois. Qu'est-ce qu'on fait, narrateur? Vu l'état dans lequel il est, on va se contenter de le suivre. Sinon, on risque d'être ses prochaines victimes. Je te laisse la suite. Faut que je trouve un téléphone pour appeler un corbillard pour ce pauvre narrateur numéro 1. Ou alors sa dépouille risque de finir en repas pour Moblin. Le cher, tu me le paieras. C'est marrant. C'est la première fois que je te vois énervé. C'est parce que Malicia a encore les glandes. Et maintenant, casse-toi avant que je t'envoie rejoindre notre narrateur. Ok. À plus. Ah, ce nouveau château est très agréable. J'ai bien fait de le voler, de l'acheter en toute légalité, sans verser des pots de vin, ni exercer de chantage. Bon, maintenant, il nous reste plus qu'à kidnapper, qu'à inviter la princesse Peach pour dîner avec moi et tout sera parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Monseigneur, c'est terrible. Un individu tout vêtu de rouge a pénétré dans le château et est en train de liquider toutes nos troupes. Encore ce fourbe de Mario? Il est en avance, j'ai toujours pas kidnappé, invité la princesse Peach. Non, monseigneur. Tous nos renseignements nous indiquent que l'individu en question est un adolescent blond armé d'une épée. Comment ça, un adolescent?
Seigneur, c'est terrible. L'intrus a mis en échec toutes nos unités placées au sous-sol, et maintenant il s'en prend aux unités dans le rez-de-chaussée. Tu veux pas me te dire qu'il s'est occupé du rez-de-chaussée et ensuite du sous-sol ? Non, monseigneur, il est passé par un tunnel menant au sous-sol qu'il a ouvert à coups de bombe. Ce garçon est complètement fou. Abaissez la porte blindée ! Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que les murs ne sont pas... Laisse-moi deviner, ils sont pas blindés. Oui, monseigneur. Ah, oh, Link, je t'ai enfin retrouvé. Non, mais quelle boucherie ici. Ça y est, t'es calmé. Je crois. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais, avec tous ces corps. J'en sais rien. Laissez-nous nous en occuper. Mais qui êtes-vous donc? La suite au prochain épisode. Certes, de retour.